L'école régionale de la deuxième chance s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans, sans emploi ni diplôme, mais dotés d'une grande motivation. Depuis 2007, l'école a reçu plus de 5000 stagiaires. Nous nous sommes rendus sur le site de Jarry afin de rencontrer ces jeunes inscrits dans le dispositif. Une ambiance studieuse, un suivi personnalisé. Ici, à l'école régionale de la deuxième chance, les stagiaires sont accompagnés en fonction de leur niveau d'études et de leur profil. Et cela, dans le but d'être formés à un métier. C'est le cas de Varina Nelly, 19 ans, de la commune du Moule. À l'école de la deuxième chance, tu n'es pas là pour un an ou deux ans. C'est en fonction de ta motivation, de ce que tu souhaites faire. Si tu es motivé, tu peux être inséré, tu peux être ici pendant deux ans ou bien, même pas deux ans, mais pendant deux mois, trois mois, on te trouve déjà un boulot. Trouver un boulot, c'est évidemment l'objectif de tous ces stagiaires, mais avant, ils sont accompagnés par des formateurs qui n'ont pas seulement le rôle d'enseigner. Le travail du formateur ici à l'école ne se limite pas seulement à inculquer des connaissances en mathématiques, en français et en bureautique. Ça va plus loin. C'est vraiment un accompagnement sur le plan personnel. Il faut être à l'écoute de la personne. Il faut savoir l'écouter, voir quels sont ses besoins pour adapter, pour savoir comment l'accompagner pour qu'il aille jusqu'au bout. Écouter, accompagner, aider à aller jusqu'au bout, c'est finalement l'engagement de tout le personnel encadrant de l'école, y compris celui du pôle social, qui n'abandonne pas le stagiaire tant qu'il n'a pas trouvé de solution sur la durée. Autant vous dire que ce sont des jeunes qui ont besoin qu'on les accompagne sur tout le volet social avant de pouvoir eux-mêmes s'insérer et que la société les accepte en son sein. Il faut savoir que je suis assistante sociale le temps que les jeunes sont à l'école, mais l'après aussi. Donc tant que ces jeunes n'ont pas trouvé une solution pérenne, je continue à les accompagner. Notez enfin, le R2C reçoit des stagiaires de 18 à 30 ans. En moyenne, un stagiaire siège au sein de l'école environ 1 à 2 ans. Au-delà de ce délai, si le stagiaire n'a pas trouvé sa voie, l'école continue à l'accompagner.